Bonjour à tous, bonsoir à tous. Salam alaikum, Azulfulawan. Je suis venu faire une vidéo spécialement pour vous montrer comment déboucher le filtre d'un robinet. Donc, lorsque vous avez un robinet qui ne donne pas beaucoup de débit, d'eau, ça, c'est possible qu'il y ait beaucoup de particules solides, tels que du sable, tout ça, qui bouche le filtre qui est sous le robinet. Donc, comme vous pouvez le voir, là, il y a un filtre au-dessous. Il y a un filtre au-dessous. Voilà. Donc, il faut savoir, moi, si j'ai décidé de réaliser cette vidéo, c'est que j'ai ce problème. Donc, j'ai ce problème. Donc, l'opération, je l'ai déjà faite. Je vais simplement répéter pour que vous puissiez voir qu'est-ce que j'ai fait. Donc, au-dessous du robinet, il y a une petite partie plate. Donc, au-dessous du robinet, là, on peut dévisser cette partie où il y a le filtre. Comme vous pouvez voir, il y a une partie plate ici et l'autre partie de l'autre côté plate. Vous pouvez, à l'aide d'un pince, commencer à tourner et dévisser. Comme vous pouvez le voir, j'ai débuté avec une pince. Donc, si ça ne suffit pas, il faut encore utiliser le pince. Voilà. Vais tenter avec la main. Maintenant, c'est bon. Ça vient avec la main. Donc, c'est tombé dans ma main. Voici le filtre. Il y a un joint. Il faudra le remettre. Et là, le filtre. Voici la partie basse. Et la partie haute. Il faut savoir que tout cela peut s'enlever. Moi, lorsque je l'avais enlevé tout à l'heure, parce qu'il y avait un manque de débit, il y avait plein de grains de sable qui bouchaient tous ces petits trous de ce filtre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé ça. Comment j'ai fait? Et je pousse. Je pousse avec le pouce. Et ça sort d'ici. Donc, voici le filtre, la partie basse et partie haute. Il faut savoir que ce plastique-là, il s'enlève. Donc, il faut l'enlever. Voilà, comme vous pouvez le voir, je l'enlève. Voilà. Je vais l'enlever. Voilà, je l'ai enlevé. Même ce truc-là en vert, il s'enlève. Donc, ici, vous avez la partie. Il y a un petit grillage ici qu'on peut enlever. Qu'on peut tirer. Il est recommandé d'utiliser une petite aiguille pour l'enlever. Donc, je vais utiliser une petite aiguille, voilà. Donc voilà, j'utilise une aiguille pour enlever la première couche du filtre. Et il y a la partie basse. Donc il faut laver tout ça pour enlever les petites graines qui sont probablement coincées à l'intérieur. Il faudra laver le petit grillage ici. Il est en double. C'est une double protection. Il faudra bien le laver. Voilà.
bien inférieur. Je viens en dessous de la cuillère. Voilà, avec l'aide d'une aiguille, j'ai enlevé le truc là en vert. Je nettoie. Bien, j'enlève toute une petite graine de bouche. Passage de l'eau. Je l'assimile avec un mot pour que toutes les graines qui sont à l'intérieur soient enlevées. Je remets le truc en vert côté bombé vers l'eau. Ce truc en plastique. Voilà, c'est remis. Je remets le double grillage à l'intérieur ici. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs filtres. Dans ce filtre, il y a plusieurs filtres. C'est extraordinaire. Voilà. On le met ici. Il faut que je m'enlève. Voilà, j'ai tout remis. Je prends un truc en inox. Le côté où il y a le filetage sera vers le haut. Donc je le mets comme ça. Du côté haut, du côté filetage. Voilà, et ça c'est la partie basse. Je ferme l'eau. Je remets le joint. On remet le joint, comme ça. Et par le bas, je commence par visser manuellement. Par visser manuellement. On visse. On dit manuel. Attendez, je dois placer bien le joint. Le joint est bien placé, c'est bon. C'est le joint. Et je viens par là. Je remets le truc et je tourne. Je tourne. Ensuite, je serre le tout avec la pince. Voilà. Il y a de nouveau la pression au niveau du régulier. Je vais répéter l'expérience avec le robinet de la peignoire à plus. Voilà, par contre ici sur le mitigeur robinet de la peignoire, je n'ai pas encore réalisé l'opération de nettoyage du filtre. Nous allons voir comment coule le débit du robinet avant nettoyage. Et on verra après nettoyage. Donc ça c'est avant. Donc c'est la même chose. Nous avons la partie passée ici qui peut se dévisser. On va le dévisser. On va dévisser. Donc, la petite clé à griffe est par rapport à la clé à griffe. Je vais utiliser la pince.
ça tourne. Maintenant que j'ai fait tourner le truc, je vais contenir en manuel. En faisant attention de ne pas faire tomber comme ça, vous allez voir le sable qu'il y a à l'intérieur qu'il faudra nettoyer. Voilà, c'est tombé avec le joint. Donc, vous pouvez observer qu'il y a plein de grains de sable. C'est pas beaucoup, c'est pas très très bouché, mais quand même un petit peu. Vous voyez, c'est des grains de sable qu'il faudra nettoyer. Donc, la même chose, on enlève le joint. Voilà, il y a des grains de sable sur le joint. On le voit. On le voit. Et je pousse le dispositif avec mon pouce. Comme ça, je vais sortir les vitres. Je le vois. La sortie. Donc, il y a plein de ça qui est tombé du filtre. Donc, voilà, il y a du sable. Donc, j'enlève la partie haute de ça. Je vais le désassembler et je vais mettre. Pour le désassembler, je vais laver comme ça. Regardez bien. Je vais mettre un petit peu comme ça. On va voir le sable qui tombe. Il y a plein de sable. Il faut le désassembler. Donc, ce bouchon, il est différent de l'autre. On ne peut pas le désassembler plus que ça. Là, c'est collé. Par contre, je pense que ça s'enlève ici. Je vois une trace ici. Peut-être que ça s'enlève. Voilà, je vais essayer. Oui, oui, ça s'est déboîté. Donc voilà. Partie et une deuxième partie. Je pense que même ça va se déboîter à l'intérieur. Nous allons tenter de déboîter. Enlever. Voilà. J'ai enlevé les filtres qui sont en trois niveaux. Je dois les nettoyer. Donc, il y a celui-là qui ferme tout. On va nettoyer. Pour m'assurer que dans les trous, il n'y a pas de sable. Il n'y a pas de sable, c'est bon. Et je vais nettoyer les trois petits filtres là. Celui qui vient en haut. Très bien. Le deuxième. Et le dernier qui vient en bas. Très bien, c'est nettoyé. Voilà. Et celui qui vient tout en haut, il y a des petites graines de sable que je dois déboucher. Pas hésiter à utiliser une petite aiguille pour déboucher parfaitement. On peut voir qu'il y a toujours des grains de sable qui sont coincés. Je vais utiliser une petite aiguille. Donc voilà, nous avons nettoyé les filtres, vous pouvez voir. Donc je rince encore une fois. Voilà, c'est propre. Je remets les filtres à l'intérieur. Je referme le couvercle, le filtre supérieur, voilà. C'est refermé. Donc voilà.
Je m'assure bien que ça s'emboîte bien et que ça soit propre. On voit que l'intérieur c'est propre. C'est propre, donc je dois bien emboîter le filtre supérieur. Comme ça va se fermer de manière efficace. Très bien, je rince le tout. Après, je rince bien. Je tapote un petit peu comme ça. Voilà. Et le couvercle, le filtre supérieur, on voit bien. Vous pouvez voir que grâce à une aiguille, j'ai bien complètement débouché ce filtre. Donc c'est le couvercle, la partie supérieure qui est bombée. Donc je dois maintenant l'emboîter sur l'ensemble des filtres. Donc je la mets sur la partie supérieure, j'appuie un petit peu avec le pouce et ça s'emboîte. Ça s'est bien emboîté. Donc le tout est remis à sa place. Je rince encore une fois le tout. Voilà. Je prends mon bout en inox, la partie où il y a le filetage, c'est la partie supérieure vers le haut, et je remets le filtre à l'intérieur. Et la partie bombée, c'est la partie qui vient vers le haut, bien sûr. Donc, il faut la mettre vers le côté du filetage. On place nos filtres. J'appuie un petit peu avec le pouce. Voilà, c'est remis en place. Je rince toujours. Reste qu'à remettre le joint comme c'était dans la partie supérieure pour le rincer. Ne pas oublier de le rincer. Et on le met sur la partie supérieure de l'embout et du filtre pour pouvoir le remettre à sa place. J'ajuste bien par rapport au robinet, au trou dans le robinet, et je commence à visser manuellement. Donc voilà, j'ai pas oublié de mettre le joint pour assurer l'étanchéité. Et je dois finir le serrage avec la pince. Donc pour que ça tienne bon. Ça tienne bien. Je serre, voilà. Donc maintenant, le filtre du mitigeur est nettoyé de ce robinet de la baignoire est nettoyé. Bon, le robinet il est un petit peu sale. Après, je vais nettoyer tout ça avec un détartrant, un produit détartrant. Ça va lustrer. Donc, j'ouvre le robinet pour voir la différence. Voilà, l'eau coule bien. Donc, on voit qu'il y a une bonne pression. Et le nettoyage du filtre a bien marché. Donc, opération réussie. On va maintenant répéter cette opération avec le robinet de la cuisine. Donc, même au niveau de la cuisine, nous allons déboucher le filtre du mitigeur. Donc, c'est très important de au moins une fois par année nettoyer les filtres de ces mitigeurs, de ces robinets. Donc, à tout de suite, on se retrouve vers le robinet de la cuisine pour répéter cette opération là-bas. À tout de suite. Voilà, je vais répéter l'opération sur
La même chose avec le robinet de la cuisine. Vous voyez la partie plate ici, c'est l'embout où il y a le filtre. Donc, lorsque vous croisez le délit, donc beaucoup plus délit que le choc. Donc, on va enlever le sable qui entrave un petit peu le passage. Donc, on va enlever ce filtre. On répète la même opération, donc avec un pince, je vais dévisser ce filtre. Donc voilà, j'ai dévissé avec un pince, maintenant je continue manuellement. Faites attention pour que les fils ne tombent pas et les joints dans le lavabo. Tout doucement, enlever le tout. Donc, vous pouvez voir qu'ici, c'est plein de sable. C'est complètement bouché. C'est incroyable. Complètement bouché. Donc, je vais désassembler tous les filtres et les nettoyer. Je vais vous montrer comment on procède. Donc, voilà, en premier lieu, on enlève le joint. Il faut bien se rappeler comment est emboîté le joint. Donc, la partie qui rentre dans le robinet était la partie. On peut voir la partie qui s'emboîte vers le bas. Regardez, c'est plein de sable. Il faut nettoyer déjà le joint. C'est bon, je n'ai pas besoin de différentes grains de sable. Maintenant, il va falloir regarder moi ça. C'est complètement opérace. Regardez-moi vers le bas. Je pense que c'est également complètement opérace. Il y a plein de sable, il y a même regard. Bon, je vais pousser ici, comme tout sort vers l'eau. Voilà. Donc, c'est sorti ici. Ici, c'est plein. Je vais désassembler à l'aide d'une aiguille. Regardez-moi ça. C'est complètement en crasse. On va l'étoiler ici. Il va falloir continuer avec une aiguille. Donc, avec une aiguille, je vais picoter comme ça. Je reviens vers. Donc voilà, j'ai bien nettoyé le filtre bombé supérieur. Vous pouvez voir qu'il était complètement bouché. Maintenant, voilà. Donc, on voit très très bien qu'il est propre. Voilà, même son dessous. Donc, il n'est pas bouché. Donc, voilà. Et là, il y a un ensemble de filtres. Comme vous pouvez voir, je vais les désassembler. Et je vais nettoyer la bague en inox.
Donc, il faut savoir que tout ça constitue, on l'appelle techniquement le mousseur du mitigeur. Donc, le mousseur à filtre du mitigeur. J'ai désassemblé les différents filtres. Vous pouvez voir qu'ils étaient à l'intérieur. Donc, on voit qu'il y a des grains de sable dedans. Donc, je vais les nettoyer. Après les avoir nettoyés, je les ai remis en place. Donc, maintenant, je vais réassembler le mousseur du mitigeur. Donc, je vais rincer la bague du mousseur. Je remets l'ensemble des filtres. Donc voilà, les filtres sont nettoyés, sont replacés. On remet le joint et on place le tout et on commence à visser manuellement. Lorsqu'on arrive au bout, on serre au maximum. Lorsqu'on arrive au bout, on continue avec le pince. On continue avec le pince. Pour que ça ne... Après avoir serré avec le pince, on ouvre l'eau pour voir s'il y a une différence par rapport à tout à l'heure. Donc, il y a une différence. Donc, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime, partagez et abonnez-vous. Et cliquez sur la cloche pour avoir toutes les notifications. Allez, ciao!